dire que après, vers la fin de la vidéo, on va devoir mettre ça en grand. Ça fait un peu vidéo. Et on manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mec, il nous reste encore 12 à faire. Je vous dis officiellement que j'ai terminé mon œuvre d'art. Et yo tout le monde, c'est Berlizoso pour de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très particulière. Alors pourquoi? Tout simplement parce que aujourd'hui, je vais réaliser un origami en papier. Donc pour cet origami, là, comme vous l'avez vu dans le titre, bien évidemment, et ben j'ai choisi un bouton de YouTube. Je sais, ça paraît pas très original comme ça, mais la suite est la meilleure car faire l'origami en géant. C'est-à-dire que en fait, en gros, le bouton YouTube que la personne fait, et ben est très petit. On va se regarder ça tout de suite. Donc en même temps de le faire, bien sûr. Hein. Bien sûr, j'ai prévu caméra. Caméra juste en bas, vous voyez un gros plan. Et là, l'écran total. Voilà. Donc c'est parti. Donc j'ai déjà préparé ma feuille un peu à l'avance, quoi, pour éviter d'être un peu à la bourre, comme on pourrait dire. Pour la première étape, c'est quoi? De faire. Ok. On va essayer de faire comme lui. On va essayer de faire ça le plus propre possible. De manière que ça ressemble à un minimum. Et au fait, la taille de l'origami géant, on va essayer de le faire à peu près de la tête de l'ordi. Ça serait déjà assez ouf. Voilà. Donc ensuite, deuxième étape, c'est de... ça, voilà. De plier ça. Pour faire... petite. Ok. Ensuite, avec ça, qu'est-ce qu'on fait? On va... ok... rassembler ce point, ce point. Et ça, si on fait une vraie ligne. C'est une sorte de début de cocotte. Alors, je vous ai pas dit, mais ça fait un sacré moment que j'ai envoyé cette origami là en vidéo. Car maintenant, on est un peu en confinement. Du coup, bah, des activités manuelles, ça peut être cool. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu ma dernière vidéo sur 5 choses à faire pendant le confinement, vous pouvez aller voir, que je sais pas où est lui, mais là, je sais pas trop où. Que voilà. Si vous voulez plus d'origami de ce genre, vraiment des gros trucs, ou tout simplement des origami, hein, faites tout et n'importe quoi, et ben, dites-le moi en commentaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Attendez. On va mettre ça en pause. C'est un peu chelou ce qu'il fait. Et un point précis, j'ai l'impression. Tac. Attends. Voilà. Merde. J'ai complètement raté le machin. Voilà. Enfin, c'est plus ou moins ça. Tac. Voilà. Ensuite. Ok. Et on fait la même chose de l'autre côté. Attendez, il va un peu vite. En sachant que c'est quand même la première fois que je fais que ce type d'origami en fait, puisque avant moi je faisais déjà des origamis, mais c'est plus type Ninjago ou tout ce qui avait rapport avec Ninja, enfin voilà. C'était pas trop poussé, ni trop... enfin, j'ai resté un peu dans mon droit. Donc, c'est quoi ça? What? Ah oui, je connais ce truc-là. Je sens que c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Et ben, j'ai pas perdu mon skill, hein. Ta gueule! Ok. Ok. Pour l'instant, tout va très bien. Tout va pour le mieux. J'arrive encore à suivre. Dire que après, vers la fin de la vidéo, on va devoir mettre ça en grand. Ça me fait un peu vidéo. J'espère que vous entendez pas trop le bruit que je fais avec le bureau, parce que clairement c'est assez horrible.
Ça va, hein, en vrai. Ah bah non, il va faire ça aussi sur les côtés. Bon, bah, on a fini notre origami. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. Ce que ça peut donner. Sur ma main. C'est clairement petit. Je crois devoir faire ça, genre, en 5x5. Genre, vraiment grand. De manière, en gros, qu'il puisse aller là. Là. Qu'on puisse le mettre là. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on colorie cette partie là en blanc. Donc, comment je vais faire ça? Ou une autre couleur. J'ai du gris. Je pense que le gris ça devrait aller. Ah ouais, c'est dégueulasse en fait. Ah ça par contre je m'y attendais pas vraiment. Je m'attendais juste pas en fait. Bon, comme ça, vous pouvez voir mes talents en dessin. Hein. Bon, maintenant, la mission va être de construire ça en plus grand. Donc, maintenant que je sais que 15 x 15, bah, ça fait ça. C'est juste pas nul. Je suis en dégoûté. Donc, on va mettre ça dans le décor. Je sais pas du tout où. J'ai un peu augmenté. Alors, donc, celui-là, là, on va le mettre juste là. Non, encore mieux, on va le mettre juste là. Est-ce qu'il est visible? Ouais, on voit un peu. Ouais, juste là. Ah, par contre, c'est vraiment tout petit. Hein. On voit pratiquement rien. Bon, bah. Ciao. Et sinon, j'ai pensé que l'autre, le vrai grand. Merde. Le vraiment grand origami, on pourrait le mettre genre juste ici, là. Remplacer ça et mettre le truc énorme. Donc. Je suppose que ça va être vraiment énorme, donc le temps que je vais préparer les feuilles, je vais vous laisser ça en timelapse. Donc, c'est parti! Les gens, donc ça y est, j'ai fini de coller, enfin de faire tous les bas. Donc j'ai ça, et je me retrouve avec ça de pas utiliser. Donc je pense que ça pourrait servir pour une prochaine vidéo, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que, avec du scotch, voilà, je vais scotcher tout ça, de manière que ça fasse un gros cadre, mais genre vraiment un gros cadre énorme. Et après, voilà, comme ça, un gros cadre, et après, je pourrais faire, du coup, l'origami. Donc, eh ben, moi, je vous dis à tout à l'heure, et pour moi, c'est parti. Je viens de m'en rendre compte qu'en fait, je crois que j'aurais pas assez de place là. Donc, il y a moyen. Et oui, genre, donc là, j'ai mon petit emplacement. Donc, comme d'hab, vous pourrez voir exactement tout ce que je vois. Donc, j'ai la caméra principale, micro-cravate, comme ça, vous pouvez m'entendre moi. Parlant du micro-cravate, j'ai eu un petit problème, car tous les fichiers audio ont été supprimés. Donc, je vais devoir utiliser le son de la caméra en le retravaillant, bien évidemment, pour que vos oreilles ne puissent pas être agacées. Enfin, bref, je vous laisse avec la suite de la vidéo. C'est parti. Pas la caméra, il y a la GoPro qui est juste là. Filmer tout ce que je fais en direct. Donc, première chose, j'ai pris du scotch, donc on pourra tout scotcher. Bien sûr, j'ai aussi prévu des couleurs si, pour que ça soit un minimum visible et correct. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, première chose, c'est placer tout de manière correctement. Il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9, 10, 11, 12. Mec, il me reste encore 12 à faire. Bon bah vous savez quoi, c'est parti hein. Super. Donc les gens, ça y est, j'ai enfin les 10 derniers papiers qui nous manquaient pour pouvoir compléter cette petite petit imprévu. Il me reste encore une feuille. Je pense qu'on pourra faire un deuxième petit logo YouTube avec hein. Voilà. Donc maintenant, passons au scotch. C'est parti hein. Je vais colorier par-dessus. Vous vous demandez sûrement pourquoi il manque une grosse partie de la vidéo. C'est tout simplement parce que j'ai décidé de vous épargner la partie la plus longue de la vidéo, c'est-à-dire le début de la construction. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo, c'est parti. Ah oui, le fameux truc chelou qu'il fallait mettre juste en tout. Voilà. La mission, c'est de réussir à plier ce truc-là. Intéressant.
Ah oui, ça me trompe. Là. Je suppose qu'il va falloir aussi le faire de l'autre côté. Ah, donc là on arrive à la dernière phase qui est de nous plier les côtés. Donc l'avantage c'est que là j'ai des repères avec le scotch. Voilà. Voilà. Et voilà ce qu'on obtient. On peut tout simplement dire qu'on a réussi. Donc maintenant, dernière chose à faire, et là ça va être la plus difficile. Donc là ce qui va être la mission, c'est de colorier tout ça. Donc ce que je vais faire, c'est que vu que j'ai fini en bas, et ben on va passer directement sur le bureau. Donc on se retrouve dès que j'ai fini de me mettre sur le bureau. À tout de suite. Ouais les gens, donc ça y est, j'ai enfin remis tout mon setup. Donc maintenant on va passer à, entre guillemets, le coloriage de ce logo. Donc je suis assez satisfait parce que c'est exactement ce que je voulais. La taille est juste parfaite, c'est vraiment exactement comme je voulais. Donc ça, c'est génial. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Le seul petit problème, c'est que il est en orange et j'ai pas moyen de le mettre en rouge. Donc ça sera un bouton rouge. Enfin orange du coup. Alors du coup j'ai le stabilo pour pouvoir tout colorier. Donc et ben c'est parti. Ça va vraiment faire beaucoup de bruit. Vu que je sais que cet extrait va durer un certain temps, je voudrais juste vous faire passer le temps, de manière assez tranquille, du style abonnez-vous, commentez, partagez, activez la cloche des notifications et surtout likez. Enfin bref, je te laisse pour la suite de la vidéo. C'est parti. Bon, et ben ouais les gens, ça y est, j'ai enfin fini la partie donc à colorier. Donc en gros, voilà ce que ça me donne. Et de l'arrière, voir ce que ça donne, voilà. C'est un peu dégueulasse. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Donc je pense que j'ai bien colorié le truc, etc. Enfin bref, je vais faire les améliorations à faire. Et pour rendre justement le truc blanc, enfin du truc, du play quoi, et ben je mets du scotch. Voilà. Donc on va mettre ça comme ça. Je vous dis officiellement que j'ai terminé mon œuvre d'art. Voilà ce que ça donne. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est le placer dans le décor. Je sais absolument pas comment. Alors, vous voyez, juste là. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre ça. A few moments later. Donc et ben voilà, ça y est, j'ai remplacé mes pistolets. Vous pouvez voir que on peut voir sur le côté que j'ai enfin réussi à le mettre. Voilà. Donc ça prend pas mal de place, mais honnêtement, je suis plutôt contente. Donc je pense qu'après la vidéo, je vais le retaper pour que ça soit encore plus joli. Donc une chose à te dire et une chose à faire. Abonne-toi. Donc vas-y, fais-le, j'attends. Active la cloche aussi, c'est très important parce que sinon tu peux pas recevoir ma vidéo. Et ça c'est pas franchement cool. Pète sérieusement la barre de like. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas
je crois que vous connaissez déjà la chanson. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et surtout, ciao, ciao.